débat citoyen, c'est une aventure partagée par de nombreuses personnes qui décident de s'engager pour dialoguer. Le principe d'un débat citoyen, c'est la présomption de compétence. Chaque personne a quelque chose à dire sur le sujet. Il n'y a pas de sujet qui puisse échapper à un débat. Ça sert à reconnecter les citoyens aux décisions qui les concernent. Et ces décisions, elles peuvent être locales, nationales ou globales. Ça fait la preuve que les citoyens ne s'intéressent pas qu'à leur bout de quartier, mais sont au contraire soulevés par un élan pour parler du monde collectif dans lequel ils vivent. Voilà, donc je suis venue à ce débat parce que je m'intéresse à mon territoire, à l'évolution du territoire, à l'évolution des technologies. Le point de vue des citoyens est une inconnue aujourd'hui, puisqu'on est, on a beaucoup de discours commerciaux à travers des congrès ou de scientifiques, mais on n'a absolument pas le point de vue des citoyens. C'est plutôt les équipementiers, les constructeurs, justement, sur ce sujet qui ont la mainmise, le lobbying, etc. Donc là, pouvoir réunir 500 personnes sur 5 territoires en même temps qui discutent du même sujet et leur donner le droit de s'exprimer, je trouve ça très intéressant. Toutes les métropoles se posent la question de ces mobilités, de cette révolution des mobilités qui est devant nous. Et l'invitation donc de Mission Publique à participer à ce débat citoyen nous a paru très opportune. Le véhicule autonome, il pose beaucoup de questions et j'espère que ce débat va esquisser des réponses. Je me suis inscrit et étant chauffeur de bus, je suis en train de signer mon arrêt de mort. Et c'est en même temps pour trouver une autre alternative, m'adapter à un futur, c'est-à-dire avoir un autre métier peut-être, pourquoi pas. On voit bien d'ailleurs que c'est la première crainte qui est exprimée par les citoyens dans le débat, de voir disparaître un certain nombre de métiers. Donc cela nous oblige à penser quelles doivent être les évolutions de ces métiers à cet horizon-là. Et donc participer à ce débat citoyen aujourd'hui nous permet aussi de discuter, de récolter des besoins de la part des utilisateurs du véhicule. Toutes les heures ont changé de table, ça nous permettait de rencontrer des personnes différentes. C'est génial de voir des gens qui viennent d'un peu partout dans la région, des gens qui ne se connaissent pas, qui se parlent ouvertement des véhicules autonomes et ses enjeux. On ressent vraiment l'intérêt autour de ce sujet passionnant. J'étais ravie parce que j'ai rencontré des gens extraordinaires. À tous les gens qui étaient là, franchement, dans les débats, ça a été d'une grande richesse. Alors, je dois dire que je suis tout à fait épaté par la qualité des échanges et la diversité des profils qui se sont présentés aujourd'hui. Et c'est un débat tout à fait passionnant. Alors, j'ai vécu ce débat avec beaucoup d'intérêt. C'était intéressant d'échanger avec des personnes différentes qui ont des préoccupations différentes. C'était aussi l'occasion de sensibiliser les personnes avec qui j'étais sur cette question de l'accessibilité pour tous. Ce qui m'étonne le plus dans les échanges, c'est de voir combien les citoyens sont prêts à accueillir les nouvelles formes de mobilité. Ils sont curieux, ils pensent que ça va être une perspective proche, très près d'eux, et que les véhicules sans conducteur feront partie de leur quotidien demain. Et ces échanges sont extrêmement précieux parce qu'ils nous permettent, en tant qu'assureurs, d'anticiper les solutions d'assurance que nous devons développer demain pour répondre au mieux à ces nouveaux besoins. C'est enthousiasmant, c'est vraiment enthousiasmant. C'est aussi déstabilisant hein, parce qu'il faut sortir, j'allais dire, de nos schémas de pensée. Et j'ai pris conscience, en fait, uniquement avec cette journée et en lisant le magazine, que l'impact sur les villes et la forme des villes allait être conséquente. Alors que je fais quand même des études d'urbanisme et on n'avait pas parlé jusque-là. Il y a une volonté
de connaissance, une volonté d'échange, beaucoup de bienveillance. Des gens ont discuté âprement, avec beaucoup d'écoute. Et voilà, moi, je suis toujours très agréablement surprise par ces méthodes de concertation avec les habitants, parce qu'ils jouent vraiment le jeu et il y a beaucoup de choses intéressantes qui ressortent de ce débat-là. J'espère que le dépouillement permettra d'extraire la vie de tout le monde. Il faut que les politiques tiennent en compte le facteur humain. La technologie, c'est bien, mais la technologie, c'est encore mieux lorsqu'elle est mise en service de l'humanité. Le premier enseignement, c'est d'arriver à construire des territoires dans lesquels la possession d'une voiture à titre individuel n'est plus obligatoire. Et pour y arriver, c'est simple, on le voit bien, c'est qu'il faut faire coexister, combiner ensemble des modes différents dans lesquels les véhicules partagés autonomes ont toute leur place, mais aussi la marche à pied, pour arriver à cet objectif-là. Et on voit bien la participation grandissante de nos concitoyens, parce qu'ils sentent que ce n'est pas simplement de la parole, ce n'est pas des échanges d'idées, mais concrètement, les choses vont changer parce qu'ils ont pris la parole. Il ne s'agit pas de faire de belles promesses, mais vraiment de tenir compte de la réalité de chacun qu'on vit au quotidien. Bien, écoutez les citoyens, et n'écoutez pas trop les lobbies industriels qui vont vous vendre leur salade. Alors, le deuxième enseignement, c'est de voir l'extraordinaire souci des citoyens sur la prise en compte des différentes fragilités qu'on observe dans la société. Alors, que ce soit des fragilités économiques, technologiques, physiques, sensorielles, cela nous oblige à penser des solutions qui soient le plus universelles possible. Et la façon dont ce débat citoyen a été conduit aujourd'hui m'a bluffé, parce qu'en fait, des gens qui ne se connaissaient pas se sont mis à échanger ensemble, se sont mis à partager. Et en fait, au lieu d'être un dialogue entre celui qui porte le débat, qui soumet un sujet au débat, et les citoyens, c'est devenu un dialogue entre les citoyens. Ils ont des questions que je trouve ultra pertinentes. Ils ont des critiques ou des propositions de qualité. Et je trouve qu'ils sont vraiment formidables. Ouais.